J'ai eu l'opportunité de travailler déjà avec Alliance Emploi précédemment dans une autre entreprise et une autre expérience professionnelle. Et je dirais que du coup, quand chez Roquette, on a identifié le besoin de pouvoir recourir à un prestataire extérieur pour nous accompagner sur la campagne, eh bien, le choix d'Alliance Emploi s'est imposé relativement rapidement pour pouvoir atteindre nos objectifs sur cette campagne d'alternance. Mmh. Et des objectifs conséquents, hein, parce que l'année dernière, en 2023, donc, Alliance Emploi nous a accompagnés sur plus de 120 recrutements d'alternants. Et puis pour cette année, donc 2024, les objectifs sont à 140 à peu près. Donc c'est vrai qu'en termes de volume quand même, c'est assez important. Et on a aussi une diversité dans les profils recherchés, que ce soit sur les secteurs d'activité, les niveaux de diplôme aussi, et puis la localisation puisqu'on a plusieurs sites en France. Je m'appelle Camille Routier, j'ai 22 ans et je suis donc chez Roquette depuis septembre 2023 pour une alternance d'une durée d'un an dans le service donc achat matières premières dirigé par Bruno, donc mon tuteur. Je m'appelle Bruno Ben Saïd, moi je suis en effet responsable du service achat matières premières et j'ai accueilli Camille en septembre dans les équipes. Le rôle de tuteur, c'est premièrement une responsabilité, celui d'accueillir un alternant dans les équipes, donc c'est le rôle de l'intégrer correctement dans le service. C'est aussi le rôle pour lui trouver une mission qui fasse du sens dans son parcours scolaire et qui fasse en même temps du sens pour Roquette, pour répondre à une demande. Un futur alternant, je pourrais donner comme conseil d'être fortement à l'écoute auprès donc de ses collègues ou de son tuteur, ne pas hésiter à poser des questions quand il le faut, d'être ouvert aux opportunités d'apprentissage. Premièrement, ça a un impact au sein des équipes avec un renouveau, une forme de dynamisme et de nouveauté qui est toujours intéressant dans une équipe. Et moi, personnellement, c'est une responsabilité en plus puisque on est dans une phase de transition pour l'alternant entre le monde scolaire et le monde professionnel. Et c'est une étape qui est importante, qui se doit d'être faite le plus correctement possible. Pour moi, les bénéfices, donc, c'est d'avoir une première immersion totale donc, dans le monde professionnel. C'est également donc, d'avoir plus de concret, d'avoir un développement de réseau et aussi d'ouvrir des opportunités pour la suite. L'expérience qu'ils ont pu acquérir en termes de recrutement d'alternants, pour nous, ça a été fondamental pour justement atteindre les objectifs 120 recrutements. Je pense que ça, c'est très important qu'ils puissent nous faire bénéficier de cette expérience-là. Et puis leur adaptation en fait, à notre environnement, leur capacité à très vite comprendre quels étaient nos besoins, nos enjeux, vers quoi il fallait qu'on puisse se tourner, vers quoi ils pouvaient nous accompagner, leurs différences aussi par rapport à ça, puisque au-delà du recrutement d'alternants, c'est aussi sur l'accompagnement des dossiers, l'accompagnement administratif, où ils ont su répondre présent. Donc ça a été fortement apprécié chez nous. On a pu bénéficier de leur expertise aussi, de leur présence sur différents bassins d'emploi, pour pouvoir capter des candidats différents, des bons candidats qu'on n'aurait pas forcément nous eu accès, en tout cas avec notre réseau. Et pour compléter peut-être aussi ce que tu as dit, Gwenaëlle, ce qui était très, très appréciable pour nous et un petit peu unique aussi, c'était vraiment leur accompagnement jusqu'au bout du process de recrutement. Donc on a pu avoir des recruteuses qui ont répondu présentes au séminaire d'intégration des alternants pour pouvoir prendre des nouvelles, échanger avec eux. Donc il y avait vraiment cet aspect humain aussi qui était très important pour nous et qui fait partie de cette réussite. Mmh. Et qui explique que cette année, on reprend également la campagne avec eux, puisque le processus de recrutement nous a tout à fait satisfait. Hein, leur capacité à pouvoir identifier les bonnes compétences, techniques peut-être, mais aussi à nous aider en fait, à identifier nos talents de demain. Ça, je pense que c'est très appréciable pour nous et pour toutes les équipes, à mon sens. C'est une réussite mutuelle, je pense, dont on peut être fier.